Voici un autre épisode de Columbo du Peuple. Qu'est-ce qu'il fout, merde? Ah, te voilà! Est-ce que tu peux me faire faire comme truc, toi? Allez, assieds-toi. Je suis un peu pressé. Je te verse du vin. Oh, une larme. Tiens. Enfin, quand même. Une plus grande larme? Ouais. Oh, et puis tiens, verse. Et pourquoi pas, hein? Merci. Alors, t'as mes documents? Ouais, mais je te signale que c'est illégal. Je sais. Si ma patronne, la notaire, découvre que je t'ai fait une copie du testament de ta femme. Mais comment elle le saurait? Mais qu'est-ce que je vais répondre aux éventuelles questions de la notaire? Tu sauras quoi lui répondre à la notaire. Et aux questions de la secrétaire? Tu sauras quoi répondre à la secrétaire. Et l'ordre du notariat? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une question de principe. Tu sauras quoi répondre à principe. Bon, je devrais foutre le camp d'ici, moi. Attends, tiens, voilà ton enveloppe telle que convenue. Donne pas d'enveloppe ici, ça aura l'air suspect! Mais non. Est-ce que tu peux être parano? Bon, je me casse. Allez, je t'accompagne. J'espère que personne nous a remarqué ici. Mais non. Hey, salut, Pierre. Ah, salut. Salut. Salut, salut, ça va? Ouais. Salut. Ouais, allez, vite fait, là. Ouais. Ouais. Bon, ouf. Alors, je peux compter sur ton silence? Bah, évidemment, jusqu'à ce qu'on te pose des questions. Jusqu'à ce qu'on te pose des questions? Bah, bien sûr. Tiens, viens, on va passer par cette ruelle. Non, non, c'est inutile, ma voiture est juste là. Ouais, mais on peut passer par cette ruelle, comme ça tu peux... Mais Pierre, ma voiture est juste devant toi. Allez, viens dans cette ruelle, mais... ça va nous rappeler notre enfance. Mais t'es malade, je veux pas aller dans cette ruelle pleine d'immondices. Allez, viens dans cette ruelle. Mais enfin, pourquoi? Que Sophie Marceau se cache dans les immondices. Oh mon vieux, faudra me trouver une raison plus plausible pour que j'aille dans cette ruelle qui pue. Allez, on va peut-être trouver un dromadaire fuchsia qui joue de l'accordéon. Ah, toi alors, tu connais mes points faibles, hein? Allez, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un flingue. Mais non, c'est un briquet. Oh merde, il fonctionnait ce matin. Mais on fume pas, toi et moi. Ah, voilà. Maintenant, je peux compter sur ton silence. Chérie? Ah, te voilà, crapule! Mais qu'y a-t-il, ma petite mésange à tête écarlate et pattes mordorées? Salaud! Mais encore? Je t'ai fait suivre! T'as mis un privé sur moi? Regarde ces photos où tu entres dans des hôtels! Tu sais bien que je vends de l'équipement d'hôtellerie! Et sur celle-ci, tu entres dans une chambre! Et bien sûr, je vends aussi de l'équipement de literie! Et sur celle-ci, tu vendais de l'équipement de quoi? De petite puterie, peut-être? Chérie, c'est une erreur! Écoute-moi, écoute-moi! Ce que je te dis, c'est que c'est pas du tout ce que tu crois! Effectivement, je ne crois pas du tout ce que tu dis! Bon, attends. Que faisais-tu avec l'employé de ma notaire ce midi? Et merde. Je vais changer les clauses de mon testament puisqu'on m'y force. Comment ça, puisqu'on t'y force? Puisqu'on divorce aussi, oui, tu l'as bien dit. Tiens, tu fumes maintenant! Putain de gadget de merde! Merde, c'est bien le moment! Qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien Pierre Quisel d'Augustus? Oui. Lieutenant Columbo. Enchanté. On a trouvé un cadavre dans une ruelle près de la 40e rue. Et en quoi ça me concerne? Il était atteint d'une balle de briquet Bic, du même calibre que celui que vous avez dans votre main, monsieur. Bon, ça va. Si vous voulez me suivre. Mais comment vous l'avez trouvé? Par hasard, figurez-vous. C'est bien ma chance. Notre attention a été soudainement attirée par un dromadaire fuchsia qui...